y a un jeu comme ça avec, avec la légèreté, avec le refus de l'exhibition et toutes ces maladies contemporaines, mais une profondeur qui est plus liée à, oui, à des choses plus en demi-teinte, à l'ironie, etc., qui sont vraiment très caractéristiques de Jean-Jacques. C'est pour ça que je comprends très bien d'ailleurs qu'au fond, il ait cette passion, par exemple, pour les grands artistes du début du siècle. Hein. Il aime Debussy, il aime Ravel, il aime Claude Monet, ou certains. Il aime toute cette période qui est justement. Ou le jazz de Duke Ellington, qui est tout un art qui est toujours souvent, juste un peu comme lui, dans la demi-teinte, hein, si vous voulez, qui est un art qui est profond, mais sans avoir l'air profond, qui n'est jamais exhibitionniste, romantique, qui n'en met pas sur la table vraiment du sentiment, mais qui arrive à nous dire des choses assez sensibles et graves en ayant l'air de sourire comme ça.